Ça va, c'est bien? Et ça, c'est Bruno qui a collé. Parce que Bruno, il parle un peu français, il comprenait le sens. Bonjour, c'est Bruno Filgo qui vient de Croatie, de Zagreb. Donc 28 ans. Artiste de rue, peintre, dessinateur, graveur, etc. C'est amazing. Little ice creams and little fruit. Okay, this is Jim. So he's from France. He's French, obviously. He lives in Lille. He's from Nantes, originally, right? Yeah, of course. He's an all-around street artist, all-around artist. Yes, he's the best man I have met in France. He's the best guy. That's nice. Very good person, and a great singer. Of course. I make you a big size with it, no? Yes. A detail or? On a vu nos boulots respectifs par internet en fait, on a vu les images, etc. Et puis une fois ici, on a décidé de rien planifier, rien prévoir parce que on s'est vite rendu compte en parlant, etc., qu'on travaillait tous les deux sur l'improvisation, au feeling, quoi. Donc on a commencé par des photocopies, des collages, à chercher une banque d'images. Dans mon atelier, j'ai toute une banque d'images, etc. Donc on est parti là-dessus. Et puis petit à petit, on s'est mis à peindre par-dessus, faire une pause, à en discuter, voir au premier geste ce qui s'est passé. Après, on a toujours bossé par recouvrement, donc dessin, peinture, linogravure, collage, bombe de peinture aussi. Ça a pris du sens petit à petit en fait, et en fait, ça a marché tout de suite. Ouais. Ah ouais, à fond. Basically, this painting was two of us getting to know each other. Ouais. But I found out we are more alike than I thought in the beginning, because we tend to think the same way. So when he puts something on the painting, it's just what I would put. So it's really easy to work with him. Like really easy, nice, yeah, so relaxed easy. Painting. Yeah. I enjoyed it. On trouve vraiment dans le détail, en prenant du temps, on trouve évidemment nos deux univers respectifs. Après, dans la manière de travailler, d'avancer, on a exactement la même méthode en fait, qui est vachement libre et vachement... on est tous les deux super souples en fait. Donc là-dessus, pour s'apporter des idées, des manières de faire, c'était super facile. The strange thing is that when Marina came here, she said she didn't know which was whose work, ouais. You know? She said, okay, I know the drawings, this is his and this is his, but for example, this big boy, she thought it was my work, and it's his work. Yeah. So it's really strange, but you know, very nice. Mais c'est ça le but, c'est de, c'est de bosser à quatre mains et de, et quand au final, on n'a pas forcément cette impression de deux personnes. Ça pourrait être un travail solo ou un travail à 10 ou. Voilà. It was strange because I'm really impulsive person. I work very fast. It's hard for me to.
weight, no? And he's so really relaxed and easy and enjoying everything he does, every line, every little thing, he's like really enjoying it. And I'm like, I just want to work, you know, just can't wait. And that's the hardest part for me, trying to take it easy. But it wasn't hard, you know, it's just like something different, so. I cannot work for a long time. I work for short periods of times, and then, for example, for 1 hour I work like a maniac, and then I sit and, you know, watch TV for 15 minutes and then work again. But this was like working all the time, but very concentrated and very easy. And it was a different experience. Après, il y a plein de thèmes qui sont arrivés, donc tu as des références à nos origines, l'île des Zagreb, France, Croatie. Tu as des thèmes sur le football, sur le cyclisme, mais je vais parler de Poulidor, donc on a le portrait de Poulidor. Cette image, je l'ai montré, il était... Waouh, wow. C'est super, c'est magnifique. Voilà, après tu as des petites références sur l'histoire de la photo, c'est le nom de la rue où la photo a été prise. On aimait bien cette image, on l'a gardée aussi. On a eu plein d'images qu'on a utilisées et qu'on a recouvertes après parce que sur le coup ça nous plaisait et puis t'as toujours des choix à faire et à recouvrir. On est parti juste sur une idée, c'était qu'il y ait deux figures centrales et avec une poignée de main comme ça, une sorte de symbole voilà, de notre rencontre. Et on a aussi bossé avec des dessins de nos carnets respectifs, donc qu'on a fait ensemble sur l'île, qu'on a photocopié. Comme on a dit, c'est hyper libre et c'est génial. Le soir, you know, during the night, on débriefait, on parlait de ce qu'on avait fait et puis on était contents, on était tout le temps contents. Donc, donc des fois, des petits détails, on s'est dit non, là c'est un peu, peut-être on va repasser ça parce que ça manque de visibilité à ce niveau, enfin, à ce niveau-là, dans cette partie-là. Mais c'était hyper simple. Et c'est voilà, tu te rends compte quand ça marche, tu peux peindre à deux sans discuter, sans... Enfin, c'est un langage en soi, ça marche tout seul. En fait, c'est une sorte d'instantané. En fait. Donc aujourd'hui, on décide d'arrêter. Et... Voilà. Bah, on pourrait continuer encore 3 jours. Et puis, mais bon, on a d'autres envies aussi ensemble. Donc aussi à un moment on se dit voilà maintenant ça prend sens, ça marche bien comme ça. Il va y avoir une suite, on va se retrouver après. Moi je vais aller à Zagreb et tout. Yeah. On va continuer à... Yeah, definitely. We're going to work together. For sure. Yeah. Et bosser dans la rue, in the streets. Yes, that's the part I'm looking forward to. Ouais, ça c'est important. C'est sûr qu'il y aura une suite. Non, c'est pas vrai. Non, not that. But I think I agree with everything. Yeah.